Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la commande d'enregistrement vidéo. Vous savez, le petit bouton là, un cadran rouge sur le dessus, qui est juste à côté du bouton ISO. Allez, go! Pour commencer en mode photo, je dis bien en mode photo, je vous montre ce bouton, hein, c'est là. Ce bouton va pouvoir être paramétré selon vos besoins, car par défaut, quand vous êtes en mode photo, vous aurez beau appuyer dessus, ça n'aura aucun effet. Néanmoins, les ingénieurs Nikon ont prévu, et heureusement, d'implémenter d'autres fonctions à ce bouton. Vous allez donc pouvoir, en allant dans menu réglage perso, puis commande, puis F2 définition réglage perso, et en jouant avec la molette, aller rechercher ce bouton. Puis, une fois trouvé, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Et là, vous allez pouvoir dire à votre Z6 que vous souhaitez, par exemple, qu'en appuyant sur le bouton d'enregistrement, quand vous êtes en mode photo, vous allez pouvoir régler la balance des blancs en utilisant ensuite les molettes principales et secondaires pour faire vos réglages finement. Le bouton aura donc changé de fonctionnalité. Je pourrais aussi préférer avoir un accès à la mesure de lumière, au mode HDR, au réglage de picture control, etc. Pour ma part, en ce moment, je le mets sur zone d'image, ce qui me permet de changer rapidement ma zone d'image de FX, DX, 1 sur 1 ou 16 neuvième. C'est super pratique car ça vous permet de personnaliser votre façon d'utiliser le Z6. Ensuite, en mode vidéo, eh bien, quand vous allez appuyer sur ce bouton, l'enregistrement vidéo va débuter et vous pourrez l'arrêter en réappuyant dessus. Tout simplement, tout bêtement. Sachez que pendant l'enregistrement, un indicateur REC va apparaître en haut à gauche de l'écran. REC est le diminutif de record en anglais, qui veut dire enregistrer. Vous aurez noté mon accent anglais plutôt pourri. Sachez également qu'en mode vidéo, en étant en train de filmer, vous pourrez appuyer sur le bouton du déclencheur pour prendre des photos sans interrompre l'enregistrement en cours. Vous remarquerez qu'à chaque photo prise, l'indicateur qui ressemble à un petit appareil photo se mettra à clignoter. Vous connaissez maintenant les possibilités de ce bouton, autant en mode photo qu'en mode vidéo. Voilà mes allumés de pixels, le bouton d'enregistrement vidéo du Z6 n'a plus de secret pour vous. Alors maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, donc vous sortez et vous shootez. Bye!